Pendant quelques jours, j'ai pas pu travailler. Mercredi passé, je suis rentré samedi. Il fallait vraiment accélérer et libérer certaines personnes. Voilà, parce que un séjour, c'est coûteux. Un séjour, vous la société. Un séjour ici, c'est très coûteux. Il faut payer souvent les hôtels, il faut faire ceci, cela. C'est très coûteux. Je m'avais encore redit, parce que je l'ai dit hier. Si vous venez, vous voulez arriver ici, vous êtes à l'étranger, la première des choses d'abord, c'est de, si vous appelez au secrétariat, vous fixez le jour et demandez, exigez, entrer en contact avec le prophète. S'ils ont, ils ont fait le rendez-vous, vous demandez, je veux parler au prophète, insister. Et c'est à moi de valider. Si vous venez et je n'ai pas validé, c'est vous. Le séjour, je peux vous donner 3-4 jours et tout ça, parce que c'est ce qu'il est en train de dire aux gens du secrétariat, que je ne suis pas d'accord. Il y a des personnes que je suis obligé de renvoyer pour bien annuler du sang, parce qu'ici, là, ce n'est pas de l'amusement. Il y a des choses qu'on répète chaque jour. Il faut quand même prendre le soin de travailler selon la vision de celui-là qui est là. Moi, j'ai une vision, c'est d'aider les gens. Sinon, c'est dans, je suis en train de, entre deux avions, en train de partir. Entre deux avions. Et si les gens se déplacent de l'Europe pour être ici, pas parce que eux, il faut d'abord qu'eux soient la priorité. Non. Moi, je respecte tout le monde, je mène tout le monde au même truc. Mais en même temps, je dis, ceux qui viennent, qui prennent une billet d'avion pour venir, c'est limité, le séjour est limité. Moi, je sais ce qu'on appelle l'avion. La dernière fois, je suis parti à Lomé, on m'a donné un rendez-vous le matin, ils ont annulé le vol. Le soir, à 14h, je vais prendre le vol, j'ai dormi. Il était là à 14h, il m'a la réponse, c'est pas KS. On dit, monsieur, vous ne pouvez plus voyager. Je suis là, il parle, on dit, non, c'est l'avion, c'est déjà là-bas. Le sort de revenir le lendemain, mais des pénalités pour prendre, le vol. Donc, quand les gens viennent ici, si c'est celui d'une semaine, c'est une semaine. Alors, si les gens décalent, ils sont obligés de payer des pénalités au niveau de l'agence par rapport à leur vol. Donc, c'est pour ça qu'en venant ici, si moi, vous ne m'avez pas entendu au téléphone, vous allez venir là. Si vous restez deux jours, trois jours, que je ne vous reçois pas, ça va être votre problème. Parce que le secrétariat, le patron, c'est moi. Est-ce qu'il aurait dit là-bas au secrétariat, il dit, vous ne venez pas à cause de quelqu'un. Les gens ne viennent pas à cause de vous. Ils viennent à cause de la grâce que c'est ma vie. Donc si vous gérez ça, quand vous avez envie de gérer une administration, ici c'est pas ça. Ici c'est un centre de délivrance. Alors c'est moi. C'est moi qui dois valider les choses. Si je ne valide pas, vous qui venez, c'est un problème. Donc avant de venir appeler le secrétariat, j'en profite pour dire aux gens, tous les mercredis, je reçois sur le Skype. Et ça c'est vrai. À Lomé, j'étais à Lomé comme l'internet est très faible là-bas. Tous les lundis, c'est 17 personnes, 15 personnes. J'ai reçu ce mercredi-là, 7 personnes à Lomé, sur le Skype. J'ai commencé à faire des entretiens sur le Skype. Et en même temps, nous avons l'onction d'huile. Pour ceux qui ont des difficultés, qui ne peuvent pas maintenant se rendre en Côte d'Ivoire, c'est depuis l'Allemagne, vous êtes servi. Vous appelez Maman Naomi, on a déjà donné le contact, je vais reprendre ça tout à l'heure. À la fin de cette rencontre. Alors, vous rentrez en contact avec elle, Naomi, depuis l'Allemagne, vous prenez les huiles et elle crée un contact avec moi pour qu'on puisse vous recevoir sur le Skype. Mais très bientôt, je serai en France, c'est la chose la plus sûre, pour délivrer des personnes. Parce qu'il y a des gens sans papier, que les sorciers ont trouvé quelque part. Voilà, les sorciers ont trouvé. On aura l'occasion de vous délivrer très très bientôt, par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de tout faire, tous les dossiers sont là. Et quand je serai à Paris, mon visa, je descends à Paris, je vous dis je suis à Paris. Sinon, cette histoire, chaque jour, parler là, vous dites je serai à Paris, la chose la plus sûre. C'est que cette année, je suis à Paris pour vous aider. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. La vieille, ça va? Tu es enfant, tu es contente? Amen. Tu es là, tu manges tes enfants, tu les gardes, faut parler. Tu, comment tu trouves ça? Ça y est, Non, le diable, tu vas lui dire non, faut lui dire. Pendant, moi, je dis non, je ne sais pas, mais n'est-ce pas.
Comme tu dis que le diable, quand le diable te dit il faut tuer tes enfants, pas de dire oui. On en a comme on a dit, il faut un urbain à Guino. Pourquoi toi-même tu ne te donnes pas, tu dis mangez-moi, laissez mes enfants manger moi. Et puis toi-même, tu vas faire boisson, c'est-à-dire que tu donnes à quelque chose qui n'est pas bon là. Tu donnes ça à ta petite fille. Vous laissez ça dans, sa, dans la famille encore. On a vu que tu fais un goût. Il m'a dit que tu fais un goût. Est-ce que c'est gâché? Ce qui m'a pas plu chez toi, c'est que tu as ça. Au lieu de dire à tes enfants, allez-y, les faire délivrer parce qu'il y a de la sorcellerie. Là, tu as une conscience. Mais tu es là, tu manges. Tu fais sauce par là. Sauce copé. Sauce jingle. Sauce grec. Toutes sortes de sauces. Mais t'as déjà mangé, tu as rassasié. Tu as été donné une reine. Tu bois sang. Laisse ça là, c'est du vin. Il n'a pas le temps d'aller dans le monsieur, il va vin. Il va dans les vin. C'est sang. Tu bois du vin. Tu as mangé? Tu vas aller tuer ton fils là, cadeau. Il faut aller. Il faut qu'elle retienne quelque chose en écoute. Il est du beau. Il est beaucoup. Il faut les rassager. Il est long. Il est un carba beaucoup. Mais on le dit. Que, hein? Avec le comment? Quand tu manges, il va d'où? Demande. On a n'a pas dit que Monica. C'est ça, c'est pas bon la sorcellerie. La vie, si tu quittes ici, que tu reprends la sorcellerie, tu vas pas mourir à coup, hein. Tu vas devenir folle. Ton cerveau là, ça va être cancer. Cancer. Et puis tu vas mourir, tu as 6 mois. Celui qui va t'en faire tes funérailles, on t'enterre, tu ne fais pas ton odeur rempli de village. Ils vont t'enterrer. Mais celui qui va faire tes funérailles, la même chose va arriver à la personne. Oh non, non. C'est la boue. Il est venu sur la frappe. Ça va pas autre chose. Mais mon amour, ma vie est gâtée. Bien, jusqu'à y aller, on peut y être. Mais y être, c'est un goût oui. Pas comme nous, on croit, on a été créé. Au Guinado, vous vivez trop, y'a pas. Elle est venue, c'est bon. Oui, mais comme vous, elle, les sorciers, ils aiment bien de l'homme. Elle va passer, on dit, mamie, voici, viens. Il y a une, on a délivré. Dans un village, on appelle Nyango, presque. Elle-même, dans la vidéo, elle est dans Bourette. Oui, elle est repartie, on l'a délivrée. Un mois, elle s'en va, elle se balade à Achiké. Où on mange bien d'eau. Elle a Achiké en main, qui elle passe. Nous, on a dit, mamie, viens, comme Achiké, au moins, ça est viande, on va te servir. Elle a dit, quoi, elle est assise, elle est assise, après on a donné viande, du porc. C'est l'homme, elle était la manger. 2 jours après, elle a commencé à s'enfler. Elle sent. On demande le prophète. J'ai dit, elle veut confesser. Donc elle vient et me dit, ah, elle veut confesser parce que la nuit, elle m'a blagué. Elle avait
viande. J'ai dit, mais pourquoi? Où on fait viande? C'est là-bas que tu passes. C'est la seule route là-bas. Et puis tu passes, non seulement ça, avec acheté. Les gens sont gentils. Ils sont gentils, mais toi, tu t'es invité. Parce que l'acheté, au moins, c'est très bien. Elle voulait la sentir tellement bien. Je dis, non, c'est pas elle. Les sorciers dans la langue, hein. Je dis, c'est pas elle. Elle n'avait rien à voir de ça. Mais comme ça a acheté, ils ont demandé de venir manger. Je dis, mais tu as cherché, tu as trouvé. Tu as cherché, tu as trouvé. Non, elle est délivrée, dis-moi. J'ai prié pour que tu sois délivré. Moi. Elle dit, mais c'est comment ça arrive, tu es enflé. Tu es rempli dans bourrette. Elle est là. Elle est morte. Quand j'ai fini avec elle, dis-moi, j'ai prié, Seigneur, pardonne-toi. On a déjà fait ça. L'étape là s'est passée. C'est l'état du châtiment. Elle est morte. Il n'y a pas eu funéraire. C'est la même chose. Je veux que tu aies là. C'est le symbole de sagesse. Tu as ton âge là. C'est pas tout le monde qui arrive à cet âge là. Si tu as amusé, je suis en train de m'amuser. Si tu t'amuses avec ça, tu vas mourir. C'est ça, non, au bureau. Nous, pour ça, oui, mais mon pouvoir. Mais il est gris, il est beaucoup à prendre. Il va te passer. C'est une guerre. Mieux, il va te faire passer. Ils ont peint la mort. Voilà. Il est très bien parlé. Ils vont donner une autre personne pour l'enterrer. Ça, il est bien parlé. Vous savez que je suis au pays bêté. Et je fais funérailles. Funérailles, c'est le bêté, c'est quelque chose de très terrible. Mourir sans funérailles, non, c'est la fuite de malédiction. Déshonneur. Et c'est ça. Pourquoi on aurait une personne qui est bizarre, qui espère la société? Pourquoi? Tu as bien compris? Yannoube. Ton oui, là, c'est la carte oui, hein? On a dit. On a Yannoube et une dette. Question. S'il y a odeur, tu fais ton nez et puis tu passes. On a évalué à nous pas dire. Nous les travaillons un peu. Il ne faut pas faire comme chien, chercher odeur. Voilà. Tu l'as bien compris. Dans nos guesses, il ne faut pas chercher odeur. Il n'y a rien à moi. Non, pas normal, il n'y a rien à moi. Il y a frère au mur, il n'y a rien à moi. Ça dit bien, tu dis non. Ouais, nous guillons, on a beau. Tu as compris? Il y a nous. Là, c'est toi la règle. On a moi. Baba, son nom a goûté, non? C'est pas là? Eh, yeah, mais. Ils vont dire, mais, viens fêter. Ouais, ça n'a guère plus, non? Tu dis non. On a bobo. Est-ce qu'on m'a bien compris? Il dit la seule chose. Là, c'est qui il dit là, c'est sérieux, hein? Ah, ok, on a oublié, ouais. Mon souhait, c'est que toi, puisses conserver ta délivrance. Ouais, bien, oui, il y a dit. Elle est Elle s'est passée à la vie, vous parlez de quoi qu'elle est arrivée. Ah, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Si on quitte ici, il faut que les enfants soient bénis. Ouais. C'est ça. Si tu entends parler de Crasso, ça fait quoi? C'est une question de Dieu qui veut te sauver. Moi, c'est ça mon problème. Les enfants doivent bénir. Point barre, c'est tout. Les enfants, ici, là, il faut qu'ils soient bénis, tout le monde. On a. Il faut qu'on ait vu, il faut qu'on ait vu, il faut qu'on ait Et non, de l'eau dans un gobelet. Dépêchez-vous. Venez sur le robinet là-bas. Coupez l'eau. La fille doit avoir un enfant. Elle doit se marier. Et tout le monde doit travailler. Ouais, c'est ça le plus important. On est d'accord? On a réglé. On n'a pas goût à nos dégoûts. On a réglé. Et à qui on avait. Tu te lèves ici, tu vas à Londres pour prendre le cerveau des gens. Au lieu d'envoyer l'argent. On a mangé mon moment, mon moment, on m'a vu qu'il a voulu faire. Moi, j'ai ma mère, mon moment, je veux qu'il a voulu faire. Et toi-même, maintenant, tu ne peux plus marcher. J'ai un bénin, je veux que tu me l'as vu. J'ai un bénin,
En quoi c'est utile la société? Vous demandez en quoi c'est utile? On a goût. Tu ne peux plus marcher. Tellement qu'il t'a envolé la nuit. Maintenant, la main physiquement, tu es touché. Pourtant, tu es jeune fille là-bas. Demain, c'est les fiancés. Non, c'est un autre monde, hein. C'est un autre monde. On a malgré quoi. Maintenant, tu sors pour aller draguer. Et voilà. Oui. Elle n'a pas clair. C'est une vieille mère. Elle gère la situation. C'est comme un enfant, un monsieur, un jeune homme, on l'a pris à ça d'abord. Lui, il a eu des enfants. Il dit, mais elle avait dit non, il s'en fout maintenant, il n'a pas resté là-bas. Il dit que tu les nourris comment? Ils n'ont pas mourir de faim. Là, lui, il les donne steak. Steak en bas de la chair humaine. Comme exemple, j'ai oublié de tout tuer. Tu as des enfants, il faut les nourrir. Il faut tuer. J'ai dit, mais tes enfants, ils n'ont qu'à rester là-bas, ils n'ont qu'à mourir là-bas. On a suivi une jeune fille, elle s'appelle Rosa, elle vient comme ça, s'appelle Rosalie. Une vieille femme. Elle est morte. Il y a une néotonie qui a refusé là, qui a donné l'épilepsie à l'enfant, elle est morte aussi. Hein? Il a donné l'épilepsie à l'enfant, elle est morte aussi. Ça repose en train de mourir. Ça meurt et ça meurt. On va vous enterrer, vous tous. C'est quelle histoire vous réveillez matin, vos réunions, comment tuer quelqu'un. J'ai dit, mais souvent quand je regarde les vidéos, je suis là. Quand on finit, je regarde. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Nous, on pense comment avoir l'argent. Comment voyager pour. Mais vous, comment détruire tel enfant que ton est ami au monde. Et tu le guettes, de toute façon, on guette quelqu'un, que tu tombes sur lui. Nous, au moins, on est gentils. Au Cameroun, nous allons y envoyer la vieille. Faut courir, fais sur toi. Quoi? J'ai les images. Non, ça, c'est vite. De toute façon, la vieille à Balonia, là, c'est toi qui as tué. Article 11. L'article compte s'applique en même temps. C'est pour dire la vie, il faudrait qu'elle retienne quelque part avec un remords. Hein? Vous dites que si elle repart la sorcellerie, c'est fini? C'est les jolis enfants, c'est les gens qui sont bien. Ils sont bien. On est parti prendre chance. Bon, chance aussi, c'est trop dur. Des gens. On est envoyé bonheur. Ouais, toi, tu manges. La sienne, tu as faim. La vieille. Tous ces enfants venez ici. Viens. On va poser un acte prophétique matin. Vous savez, dans la tradition bété. Hein? Laisse la vieille l'eau. C'est un acte prophétique. J'explique ça selon la parole de Dieu. Amen. Je vais expliquer ça. Prenez la Bible. Allez dans Job 38. Job 38, vous allez comprendre l'action. Vous savez, ce qui caractérise un homme de Dieu, ce sont les actions prophétiques. Les actions prophétiques sont comme des codes. Tu as un portable. Il y a le code de la puce. Si une autre personne vient mettre un autre code, ça bloque le portable ou ça bloque la puce. Donc, une situation donnée, il y a un code, il y a quelque chose qu'on doit faire pour décanter la situation. Souvent, les gens prient seulement. Tu vois, ça n'a pas d'effet. Parce qu'il y a une action qu'on doit mener, qu'on appelle action prophétique. On a fait la délivrance hier, ok. On a mis de l'huile sur eux, très bien. Cette action aujourd'hui, là, elle doit parler. Parce qu'elles utilisent la parole. La parole est très, très sacrée. C'est à partir de la parole que tout s'opère. Donc, elle doit les bénir ici à ma présence. Et pendant 7 jours, elle doit continuer de vous bénir. Quand il est 5 heures du matin, elle sort vous bénir. Si elle s'est trompée de parole, ça retourne contre elle. Pendant 7 jours, elle doit vous bénir. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Amen.
Voilà, parce que quand le sorcier veut t'avoir, vous voyez, dans les aveux, il a dit, j'ai appelé son âme. J'ai dit, son âme vient. Viens, puis son âme est sortie. C'est la parole. Vous traduisez ça la vie. Son âme, il est bouchon. Quand il est bouchon, quand il est mort. C'est important d'envoyer les parents ici. Hein. Ça vous fait moins de dépenses. Matin, 5 heures. Tu as compris? Au lieu de faire ça, tu fais sortir ici. Elle est difficile de se lever matin pour aller dire non, de bénir les enfants. Mets-toi là. Est-ce qu'on peut prendre Job? Allons-y, Job. Écoutez très bien. On sera obligé d'aller. On sera obligé d'aller dehors. Parce que sur la terre, c'est, ça a plus d'effet. Écoutez, allons. Écoutez, Job. Job 38, le verset 12. Une seule fois dans la vie, une seule fois dans la vie. Est-ce que tu as donné au jour l'ordre de se lever? Est-ce que tu as donné le jour l'ordre, c'est-à-dire l'aurore? Est-ce que tu as dit à l'aurore, prends la terre par ses bords et secoue-la comme un tapis pour faire tomber les gens mauvais? Alors, à l'aurore, la terre devient rose comme une poterie d'argile, brodée comme un vêtement de fête. Les gens mauvais sont privés d'obscurité. Amen. Attends, j'ai une autre version. Prenez la version. C'est pas la version du second. Prenez la version du second. Nous allons mieux comprendre le passage. Dans la Bible, Isaïe 63. Moi, quand je fais quelque chose, il y a un verset. Et tu peux sortir le verset. Amen. Depuis que tu existes. Depuis que toi tu existes. As-tu commandé au matin? C'est pour cela que c'est important que toi, à partir de 4h du matin, commence à parler au matin. Nos frères musulmans, ils savent ça. Mais nous, on dort quand c'est quand il y a 6 heures, Seigneur, tu es merveilleux, ton chien m'a pas poursuivi. Amen. Tu te lèves, tu mets ton garba, ouvre le café, tu t'en vas. Non, tu dois parler au matin. Pourquoi? Parce que le sorcier travaille la nuit. Or, il programme les choses dans la nuit. Il travaille la nuit. Donc, le jour, là, il a programmé à 9 heures un accident. Donc, quand tu te lèves, elle lève à 4 heures. 4 heures, c'est la transition, c'est l'aurore. Tu fais la transition entre le jour et la nuit. Alors, eux, ils ont programmé. Mais nous avons le deux pouvoirs. Eux, ils programment, ça ne va pas déprogrammer. C'est nous qui devons déprogrammer. Donc, quand tu te lèves de ton lit, tu commences à parler. Tout ce qui a été programmé contre moi, je déprogramme au nom de Jésus. Accident, mort, pauvreté, mon foyer, qu'ils ont détruit, tu détruis ça. Donc, le dossier de la nuit, là, l'aurore transmet ça au jour. Mais si tu n'as pas été détruit, on transmet ça au jour. Et c'est à 9h. On te dit 9h. Donc le dossier est pris. Depuis 7h du matin, c'est fini. C'est pour ça qu'il faut se réveiller à partir de 3h30 du matin pour commencer à prier. Si vous réveillez à 5h, c'est fini. Donnez-nous à s'il y a des heures. S'il y a des heures de prière, 4h, c'est l'aurore. Or, on ne joue pas avec les heures. Les heures sont très stratégiques. Amen. Allons-y. As-tu montré sa place à l'aurore? Faut montrer la place à l'aurore pour dire le jour là. Moi, avant de sortir de ma chambre, j'ai dit au jour aujourd'hui là. Moi, crasseux, je ne vais pas avoir accident. Tous les problèmes, ils ne vont pas. Ça ne va pas venir chez moi. J'ai parlé. Le jour enregistré. Amen. Parce que ça a des oreilles, c'est enregistré. J'ai annulé. Il dit telle chose ne doit pas m'arriver au cours de cette journée. Hein? Aujourd'hui, tel malheur. Parce que tu n'as pas détruit ce que les gens ont programmé contre toi. Allons-y. Quand tu passes à l'aide, ça va très loin. Tout ce qui a été fait, ça détruit. Pour que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile, qu'il soit comme une empreinte. Empreinte. Et ça, c'est important. Qu'il soit comme une empreinte. Allez, ce qu'elle va dire, elle va parler à la terre. Oh, la terre a des oreilles. Amen. Alors, Dieu va prendre la terre pour se fabriquer l'homme. C'est la terre. C'est pour cela que c'est important, cette action-là. Elle ira parler pour dire je verse l'eau. Ça veut dire tout ce qui a été dit sur la terre, tout ce qui a été fait, parce qu'elle a dit, en prenant les habits de son fils, de son petit-fils, de sa fille, elle a enterré ça. Le cerveau de sa petite-fille, elle a enterré ça.
Donc en versant l'eau, en parlant, ça neutralise. C'est vrai que sur eux, ok. Mais cette action vient détruire même ce qui a été fait sur la terre. Amen. Oh, la terre des oreilles. Amen. La terre des oreilles. Je vous donne un petit enseignement. Vous savez qu'un enfant, quand un enfant vit au monde, quand il sort dans le ventre de sa mère, il y a ce qu'on appelle le placenta. C'est pas ça? Tu suis après le bébé. Et le placenta, c'est très important. Il y a des gens, ils ne disent pas leur nom. Eux, ils mangent ça avec sauce tomate, avec akasa. Vous connaissez? C'est pas ma bouche. Vous allez chercher pour avoir ma tête. Eux, ils mangent ça avec sauce avec akasa. Au lieu d'aller enterrer, ils mangent ça avec akasa. Or, le placenta, c'est quelque chose de très important. Symboliquement, spirituellement parlant, c'est important. Celui qui enterre le placenta, c'est cette personne qui oriente ta destinée. C'est ça qui ne laissait pas aux sales femmes. Parce qu'aujourd'hui, même dans les morts, les mystiques vont prendre des éléments, des cadavres, tout ça, même l'eau. Eux, ils travaillent, les mystiques travaillent beaucoup avec ça. Les mystiques travaillent beaucoup avec le placenta. Celui qui mange le placenta d'un bébé, il prend la grâce qui est sur le bébé. Tu vas t'arrêter là. Il est trop envolé. Tu vas t'arrêter. Dieu va te guérir ici. Un minute. Tu vas t'arrêter. Or, celui qui prend le placenta, c'est tellement d'enterrer ton placenta. Mais quand on enterre le placenta, on dit des choses. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est vrai, même si les sorciers. C'est tout ça là que les sorciers captent. Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Qu'est-ce qui a été fait sur toi? Quand quelqu'un dit, je tue quelqu'un qui n'est pas de ma famille, c'est une fréquence, il capte ça. Il y a quelque chose, une fréquence autour de toi. Donc il capte. Or, celui qui va enterrer ton placenta parle. Parce qu'on n'enterre pas le placenta comme ça. Et puis on ne jette pas ça. Donc désormais, si vous avez des enfants, avant d'enterrer le placenta, prenez l'huile d'onction, l'huile consacrée, versée, et puis dites, désormais l'enfant dont le placenta est là, si c'était terre, l'enfant doit réussir. Tout ce qui est échec ne doit pas arriver à l'enfant. Or, la terre enregistre les paroles et c'est fini. Vous allez voir qui serait le meilleur. Parce que si vous avez semé quelque chose dans la vie de l'enfant, en posant un acte prophétique sur le placenta, elles sont bien saisies. Donc ici, c'est tout ce que nous détruisons. Parce que quand les huiles sont consacrées, il y a tout ça. Il y a des paroles que nous prononçons. Tout ce qu'ils ont fait depuis que tu es né, depuis ton fœtus, depuis que tu es fœtus, tout ce qui a été fait, lui là, détruit tout ça. C'est pour ça que pour nous c'est important quand vous venez, la première action que nous posons déjà, c'est ça. Quand vous allez à l'hôpital, les gens font sérum, on ne peut pas aller au nord, il faut sérum. Nous c'est ça. Là, ça détruit. Or, quand vous êtes agressé par la sorcellerie, ça détruit votre aura. Parce que les sorciers sont très terribles dedans. Ils détruisent tout autour de vous, le matériel, tout ça, non? Lui là, l'huile, l'onction là, qu'on met sur vous, ça neutralise le pouvoir de la sorcellerie. C'est ça que c'était important au temps de Jésus. Les disciples attendaient ça pour prier pour les gens. C'est dans Marc chapitre 6, le verset 13. Les disciples utilisaient l'huile d'onction. Les disciples au temps de Jésus. Alors Jacques répond ça dans Jacques le chapitre 5, le verset 14, pour la délivrance. Donc il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des gens qui font 21 jours de jeûne, rien ne s'est décanté dans leur vie. Ce n'est pas une question de jeûne, c'est une question d'action. Amen. La vieille, on va aller, tu vas parler. Tous tes enfants, ils doivent maintenant te bénir. Les portes doivent s'ouvrir. Ils ne doivent plus t'embêter. Sa fille doit être intelligente. Et là, Dieu le fera ça, je vous assure. Amen. Alors on va poser une acte prophétique avant de revenir. Non, laisse-la. Allez. Ça, tu sais quoi? Elle parle au nom de tous ses enfants. Dieu vous sauve le meilleur là-bas. Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'on attend de faire, ça a qu'à porter, il n'y a pas de fruits. Après cette rencontre, les situations doivent se décompter. Dieu.
Le bout où voilà il doit quoi? Why il diminue? Il y a vraiment un bon chemin. Ah, on a la barre. Elle s'est bien fait. Non, oui, bien ça. On peut y aller. Il y a vraiment des deux. Il faut qu'ils aient une situation après cette rencontre. Que les choses se décantent. Voilà. Que ça ne prend pas du temps. Ah, mon abeille. Du bout du dopo. Tous les enfants, tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle voulait attacher, pour que tout soit défait, pour que les chances, pour qu'ils trouvent du boulot, pour des enfants, tout ça là. Ok, c'est ce qu'on appelle une action prophétique. Ça n'a rien à voir de pratique de fétichisme ni de trucs. Nous avons appuyé ici Job 38, le verset 12. C'est une action prophétique. Chez nous, embêté. Chez nous, à l'ouest, embêté. Bénédiction, ça veut dire verser l'eau. Voilà. Et l'eau, c'est quelque chose de très important. Ça nettoie, ça fasse beaucoup de choses. Et quand un enfant a fait des choses bizarres, qui revient au village voir son papa, c'est de l'eau qu'on verse. Une personne qui veut une bénédiction, c'est de l'eau. Donc, c'est symbole d'action prophétique, de grâce et de bénédiction. Et c'est très tôt le matin, d'ailleurs. Allons-y. Oui. Oui. Amen. Ok, nous allons finir.